Tranquillement, ah, s'il vous plaît, on met la banderole tranquillement, c'est nous qui prenons la parole, en premier. Clément a payé hier soir son refus de ses dérives et de ses exactions. Cet assassinat est politique. Pour honorer sa mémoire et empêcher toute récupération politicienne, nous continuerons le combat aux côtés de tous les gens concernés. Et l'action antifasciste Paris-Banlieue appellera très bientôt à une réunion en vue de la création d'un comité de soutien. Merci à vous. Et même si Clément n'était pas un militant de notre parti, Clément était un des nôtres, un des vôtres, car il partageait ce refus que dans ce pays, en 2013, des groupuscules fascistes, nostalgiques des régimes nazis, puissent redresser la tête, existent, fassent peur aux militants de gauche, les terrorisent, les frappent, et aujourd'hui les tuent. Nous disons clairement, il n'est pas possible, comme c'était le cas encore le 8 mai dernier, que ces groupuscules défilent dans Paris. Rangers aux pieds, les bombeurs, les crânes rasés. Je m'indigne de voir aujourd'hui, de la part de certains médias, une volonté de renvoyer tout le monde dos à dos, d'expliquer qu'il y aurait en quelque sorte, entre antifascistes et fascistes, une forme de similarité. Je dis non. Tous ceux qui habitent ce pays sont des antifascistes. S'ils acceptent de vivre en République, ce qui est le cas de l'immense majorité, il n'y a pas été juste. Il le faisait avec ses mots, il le faisait avec ses actions dont nous attendons des actes forts. Chers amis, le combat continue. Celui, vous le savez, que nous portons pour une 6e République sociale, écologique, solidaire, fraternelle, dans lequel ces groupes n'auront pas leur place. C'est comme ça qu'on la fera reculer l'extrême droite, et c'est comme ça que nous honorerons Clément, ce courageux camarade qui hier a été assassiné à Paris. Merci. Le rassemblement organisé à l'initiative du Parti de gauche a été rejoint par la question. Clément, on t'oublie pas, Clément, Clément.